L'extrême cordouan, c'est la course longue distance qui permet de partir de la baie de Saint-Georges pour aller jusqu'au phare de Cordouan le plus vite possible sur différents supports, planche à voile, kite, motte, wing foil et aussi aviron, kayak et pirogue. Alors aujourd'hui vous avez depuis deux jours un grand plateau avec vraiment des grands sportifs que bien connus et certainement moins connus pour certains. Oui, on a Julien Bontemps qui est médaillé à Pékin, Charline Picon, dernière médaillée à Rio, médaille d'or. On a Fabien Pianazza qui est champion du monde depuis la semaine dernière, Delphine Cousin qui est également championne du monde, et Théodore Amcourt qui en kite fait partie du top 3 mondial. Donc ouais, il y a un très haut niveau. Et alors c'est la deuxième année ? Deuxième année, deuxième édition. Édition un peu compliquée avec le Covid, mais on a vraiment voulu faire quelque chose de sympa pour qu'on puisse un peu s'aérer la tête. Vous-même, Nathalie, vous êtes championne de France. Oui, on a été championne de France 3 années d'affilée avec Médoc Baha et voilà, on se régale. Alors pour être championne de France, c'est beaucoup de travail. C'est beaucoup de travail, beaucoup d'heures sur l'eau et puis surtout la cohésion de l'équipe, quoi. Voilà, un petit peu de la technique, de l'envie et puis de la cohésion. Alors vous êtes venu en voisin? On est venu en voisin, on est venu à 3 pirogues cette année, donc 2 pirogues hommes, un équipage féminin. Je suis en train de préparer mon foil pour aller faire un tour. Vous allez mettre le doigt sur... Et donc, est-ce que la mer actuellement ou le bord de la Gironde est prête à vous attendre? Oui, elle m'attend et je la rencontre régulièrement sur de longs raids. Donc dites-moi, vous me laissez un petit peu le soupçon, vous êtes peut-être un champion de France ou un champion du monde? Non, je suis un champion avec moi-même, c'est déjà beaucoup.